personne n'est surpris, il l'a dit, et c'est vrai. Mais déployer un argumentaire derrière, on n'est pas censé le laisser passer. On est plus dans l'acte, dans l'émotion, dans tout ce que vous voulez. On est dans quelqu'un qui réfléchit, et c'est un projet de 14 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que se taire et attendre que ça passe pour revenir éventuellement faire son travail, si ça vaut quelque chose, deux jours après avoir balancé un truc, il revient. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il voudrait le faire? Heureusement qu'il n'a pas tout ça, du coup, parce qu'on verra après que le pouvoir qu'il a, il a essayé d'utiliser. Donc il ne croit plus en rien. J'ai besoin d'aide. Ça me met très mal à l'aise. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui est dans le raisonnement. Vous voyez que je veux pas l'enfoncer, mais là, il est très affecté, sa voix tremble, etc. Je veux pas qu'on se moque de lui, je pense que ces garçons souffrent, oui, sérieusement. Mais, un, il ne se rend pas service en se mettant en scène de cette manière, et il fait des appels à l'émotion à mort. Et donc les gens qui vont être affectés par ça et qui vont être dans l'empathie, est-ce qu'il lui accorde du crédit pour les bonnes raisons? Ben, il faut se poser la question. L'ensemble de son travail, c'est d'essayer de convaincre les gens avec des arguments rationnels. Et là, je n'ai pas le sentiment que ce soit ce qu'il est en train de faire. Et surtout, c'est pas le sujet. Cette relation-là n'est pas l'histoire de départ. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et... C'est ça, il essaie vraiment de détourner l'attention, peut-être pas à dessein. Peut-être que c'est pas à dessein. Je ne sais pas. N'empêche que là, il détourne l'attention, on ne parle plus du tout de ce qui est... Mais cette vidéo-là, il se pose lui en victime, quoi. Voilà. Il se sent très mal, on voit qu'il a pas d'émotion. Et c'est pour ça que c'est pas la pire, parce que là, je peux pas l'accuser de calculer, en fait, de cette manière. Je pense qu'il se rend pas service, mais c'est pas calculé. Alors que les vidéos qu'on verra plus tard, il est calme. Il est dans la forêt, il fume. Oui, il vapote. Et il balance des horreurs. Voilà. Ah bah c'était la fin.